Attends, il y a eu l'hélicoptère. Oui. Los Santos va périr dans les flammes de l'enfer. Attends, attends. Ouais, c'est bon, on a 5 étoiles. Nous anéantirons Los Santos jusqu'à qu'il ne reste plus rien. Nous sommes à présent la plus grande flamme de Los Santos. Clear the target zone now! Les gens, c'est Red Crew. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de NVBO2 ainsi que Karim. Donc, salut à vous, les gars. Salut. Aujourd'hui, on est le mardi 12 décembre et le DLC braquage numéro 2 est enfin sorti 2 ans après le premier. Donc, là, aujourd'hui, on va faire une première vidéo où on va présenter toutes les nouveautés, c'est-à-dire les armes, vêtements et les véhicules qui sont sortis. Et ensuite, plus tard, on fera une deuxième vidéo où en fait on fera le braquage en question, qui est justement un peu le centre du DLC. Donc on va tout de suite voir les véhicules. Donc les gars, vous pouvez prendre le téléphone et voir les véhicules aussi. Donc on va aller voir sur le site de Warstack, okay. Au centre. Celui qui vient de sortir, c'est qu'on voit en premier, c'est le Avenger. Donc on va aller voir de. Ah, en tout cas, je vais pas le prendre en fait. Il faut acheter parce que il faut avoir un complexe. Ah, j'ai oublié. Donc le complexe, c'est une sorte de bunker, donc on verra ça après. C'est une sorte, c'est un peu comme le centre d'opération mobile mais volant. Donc vous voyez qu'il a un peu la même allure, on va dire. Et il coûte, comme il est volant, bah il coûte 3 450 000 au lieu de 1 150 000 pour le centre d'opération mobile. Là il y a la Deluxo, là où la Deluxo, je sais pas comment on dit. Donc c'est ça, c'est une voiture qui peut voler, mais elle n'est pas armée. Donc elle est disponible à presque 5 millions si on n'a pas le tarif spécial. Et si on a le tarif spécial, elle est disponible à 3,5 millions. Donc là on a un jetpack, franchement c'est... Il est juste ouf. Il est grand quand même, hein. Il va en plus grand. Ouais. Donc il est dispo à 3,6 millions si on n'a pas le tarif spécial. Et le tarif spécial c'est 2,7 millions. Donc il est vraiment pas cher, hein. Franchement je m'attendais plus à genre 6 ou 7 millions, tu vois. Il est armé, selon si vous avez fait des recherches et tout ça. Donc on peut l'armer avec des missiles téléguidés. En troisième véhicule, c'est le nouveau tank, le TM-02 Khanjali. Donc avec le tarif spécial, il est disponible à 2,9 millions, presque 3 millions. Et avec sans tarif spécial, il est disponible à presque 4 millions. Donc vous voyez, il est quand même plus cher que le jetpack, mais genre... il est plus cher, mais tu vois, le jetpack, normalement, il aurait coûté plus cher que c'est plus cheaté, on va dire. Ouais, moi, j'ai cru qu'il allait coûter dans les 10 millions, 15, tu vois. Ouais, pareil, mais en fait, non. Donc, franchement, le tank, il est propre, quand même, il est classe. Ouais, moi, j'aime bien. Et le canon, la taille. Donc, il coûte quand même 2 millions de plus que le tank normal, mais il faut à noter qu'il n'y a pas qu'une place, il y a 4 places. Donc, déjà, il y a une tourelle au-dessus. Il y a le canon à l'avant, mais après pour les deux autres places, je sais pas comment ça se passe. Ah oui, il y a des portières à l'arrière, je sais pas si vous voyez. Sur la deuxième image, à gauche, il y a des sortes de portières à l'arrière du véhicule. Le cinquième, c'est le Stromberg. Donc, sans tarif spécial, il est disponible à 2,4 millions. Et avec le sans tarif spécial, il est disponible à 3,2 millions. Donc lui, en revanche, ce véhicule-là, il est armé. Il peut voler. Il a de la nitro, je crois. Et il peut aller sous. Donc c'est vraiment, ouais, le véhicule cheaté du jeu. Mais je trouve qu'il est pas très cher. C'est lequel qui va sous le... C'est lequel qui a du boost? T'as dit quoi? C'est lequel qui a du boost? C'est le Stromberg. C'est le Stromberg, celui qui coûte Est-ce que c'est la voiture qui va dans l'eau? Ouais, elle peut aller dans l'eau, c'est la Stromberg. Et la première par contre, elle coûte genre 4,7 millions, mais c'est bizarre quand même. Parce qu'elle a moins d'opportunités, tu vois. Enfin, ouais, t'as vu? Mais non, mais ça faut peut-être que j'inverse un truc ou je sais quoi, mais je pense, juste que je sache, c'est celui-là qui est aussi. Donc on découvrira ça plus tard, hein, si un jour on les achète. Donc le sixième véhicule, c'est le véhicule anti-meute. Franchement, celui-là, j'adorerais l'avoir. Donc c'est un véhicule de police, de ce que je sache, qui a des gyrophares, tout ça. Donc il est disponible à 3 200 000 en tarif spécial et avec le tarif spécial 2 300 000. Donc... Le véhicule, il est armé, il y a un pare-buffle qui peut dégager tout sur son passage. Celui-là, j'adorerais l'avoir parce qu'il est super bien. Bon, les gars, moi aussi j'aimerais bien l'avoir. Mais celui que j'aimerais le plus, c'est le Acula.
Parce que regarde, il y a 4 personnes. Ils peuvent donc, rentrer dedans. Suis, là, oh, c'est l'heure de la fastesse. La 3,7 millions sans tarif spécial est disponible à 2,7 millions avec le tarif spécial. Donc, je sais pas s'il est blindé, mais tout ce que je sais, c'est qu'il est armé et vraiment super bien armé. Le blindage, il a l'air plutôt costaud. Il est super beau. Chazmod, c'est l'heure de la fastest. Bon, celui-là, il a l'air classe à voir, tu vois, mais je sais pas s'il peut faire le poids face, au Savage ou au Hunter, tu vois. Ouais, on va tester, hein, quand ouais. On aura les sous de l'acheter. Donc, ensuite, l'autre véhicule, ça c'est un avion, c'est le Volatol. Il est géant quand même, on dirait le cargo, tu vois. Ouais. Il est géant. Donc, il est disponible à 3,700 tarifs spéciaux et 2,8 avec le tarif spécial. Donc la particularité de cet avion, bah déjà il est armé, il a à peu près les mêmes armements que le Bomboshka. C'est une soute à bombe. Ouais, c'est des mortiers, non? Ouais, je crois un truc dans le genre. En tout cas, ce que je vois, il y a énormément de bombes, mais il y en a plus que dans le Bomboshka. C'est vraiment une ligne entière, tu vois, tu dégages tout. Ensuite, le barrage, donc je sais pas, il fait penser au Trophy 3 qu'à l'avant. Ça peut penser un peu à ça. Ouais. L'avant, il fait un peu penser au Trophy 3, tu vois, l'allure et tout. Des versions militaires, tu vois. Donc il y a la particularité, oh, putain, c'est qu'il y a deux tourelles, alors que l'insurgent, par exemple, il y en a un. Et il est moins cher. Ah non, il est quand même plus cher, ouais. Parce que l'insurgent avec une tourelle, il est à 1,7 million. Là, il y a deux tourelles, mais c'est à 2,1 millions. Racro. Ouais, vas-y, je t'écoute. C'est lors de la fastest du jetpack. Non, mais d'abord, on présente les véhicules, tu vois. Et après, on voit... Ok. Là, il reste... Là, je crois qu'il reste encore 2-3 véhicules à présenter, je crois. Et le tarif spécial, ouais. Par contre, c'est 1,6 million pour la boîte. Et là, le prochain véhicule, c'est mon préféré. Ah, celui-là, je le kiffe. Ah ouais, le Chernobog. À ne pas prendre avec Chernobyl, même si ça pourrait... Celui-là, il est ultra cheaté. Hein. Donc, déjà, rien qu'à voir les photos. Déjà, je vous montrerai une vidéo du trailer, en fait. Enfin, d'ailleurs, je vous montrerai une vidéo trailer sur chaque véhicule qu'on montre, s'il est présenté. En fait, le véhicule, tout simplement, il balance 15 missiles à la seconde et vous détruisez plein d'unités d'hélicoptères en 3 secondes, quoi. Donc, il coûte 3,3 millions sans tarif spécial et 2,4 millions avec le tarif spécial. What? Donc, qu'est-ce qu'il a refait? Qu'est-ce qu'il nous a refait? Mais... t'imagines comme tu restes statique, mais j'arrive pas à t'avoir. Je t'ai tiré 8 balles dessus, tu vois. Les gars, arrête de bouger. Voilà. Ça part. Ouais, bah attends. Déjà, les nouveaux je fais les deux, hein. Et après, on reparle de ça autant. Moi, ça fait quoi? Mais moi, c'est un souci technique, j'ai appuyé sur X. Bien joué. Bon, allez, on reprend. Tu craches qui, moi? Y a pas, y a pas de reprise ou je ne sais quoi. Vous mourrez tous. Il n'y a pas de reprise. Moi, je dégage mon sniper. Vous croyez que je suis Botaga ou pas? Je suis Botaga, c'est... Oh, le bâtard. Voilà. Oh là là, elle m'a fait sauter en l'air. Oh, pas de gros mots, là. Voilà. Mais là, vous jouez au sniper. Au sniper, je te prends, je te passe en vous. Oh non. Comment tu peux m'avoir? Ah, j'ai le sniper en remarque 2, je me dis qu'il y a un zoom. Moi aussi, j'ai mis là-haut. Ah, t'as eu peur, hein. Mais viens, mon sniper. Ah ouais. Oh là, tu me mords. Ah, ça va, ils ont un bon niveau, Eh, prends ton arme. Oh, c'est parti complètement. J'étais pro sniper, aussi. Ah bah, il y a trop lent. Mais beaucoup trop long. Attends, tu vas encercler, quoi. What the fuck, your bitch. On va te revoir dans la vie. Ah ouais, mais toi t'as l'arme ultra cheatée là, tu l'as même pas vu. Mais moi aussi je l'ai, hein. Ah, c'est... Non, t'es niveau 37, tu peux pas là-bas. Mais si je l'ai, mais si, j'ai le fusil de précision lourd MK2,
c'est le fusil d'assaut MK2, c'est le carabine MK2, c'est le mitraillette en fait, de combat MK2, mitraillette MK2, pistolet MK2, et la mitrailleuse. Tout le monde passe. Oh là là. Tout le monde rage déjà. Bah attends, je vais prendre mon véhicule. Non mais c'est dingue ça. Il n'en reste plus qu'un à éliminer. Ouais. Plus qu'un à éliminer. Mais comme ça après je te fais tester. Comme ça après je te fais tester, tiens pas. Il faut savoir. Ah bah je suis mort, ça c'est sûr. Là là là, on est fou. Donc on reprend la vidéo après quelques petits soucis. Donc pour des raisons de sécurité, je me mets dans mon centre d'opération mobile pour des raisons de sécurité. Donc ensuite il y a deux véhicules qui sont sortis de luxe, donc on va les voir. Donc il y a la Comet Safari et l'Oslo Paria. Ah il y a aussi, ah ouais non il y en a quatre en fait. Il y a aussi la Ubermatch SC1 et la Coil Raiden. Donc la Coil Raiden, je sais pas trop quoi en penser. En fait, je sais pas si c'est une sportive ou une super sportive en fait. Attends, quoi la Coil Raiden? Attends, je vais voir. La Coil Raiden. C'est dans les Legendary Motorsport. Ouais. Attends, je vais voir. Elle est à 1 375 000. La Coil. Ah oui, la Coil Raiden. Oui, c'est une super sportive, ouais. Donc, je sais pas, le design il est bien, mais tu vois, je me dis que des véhicules comme ça, tu vois, et le devant, ça me fait penser une Maserati, moi, dans la vraie vie. Ouais, des véhicules comme ça, tu vois, ils servent un peu à rien, tu vois, vu qu'il y a tout le monde va préférer économiser pour les X80 Proto, des choses comme ça, ou la T20. Donc, pas beaucoup de personnes vont la prendre, tu vois, sauf pour la collection. Donc, il y a là aussi la Ubermatch SC1 qui est sortie, qui est à 1,6 million, donc c'est la super sportive la plus chère. Pas grand chose à dire sur ce véhicule, on va dire. Hein. En troisième véhicule, c'est l'Oslo Paria qui est sorti à 1 420 000. Tu vois, celui-là, il est super classe. Voilà. Celui-là, faudrait que je le prenne pour ce qu'il est. Enfin, la dernière voiture qui est sortie en super sportive, la Comet Safari. La Comet Safari, celle-là, elle coûte que 710 000. Franchement, j'adorais la voir, tu vois, parce qu'elle est... Elle est pas trop chère, tu vois, l'image. Je l'ai acheté. Mais elle a l'air classe à conduire, tu vois. Donc là on a fait le tour, tu vois, des véhicules sportifs, mais il reste un dernier truc qui est sorti. C'est, attends, c'est sur le site Souterne Saint Andreas superauto.com. donc, ouais, tu fais quoi là? Il y a le Vapid Riata qui est sorti, ainsi que la D-Class Yosemite. Donc la Vapid Riata, elle est à 380 000, c'est une sorte de mini 4x4, on va dire. Franchement, celui-là, faut que je le fais, tu vois, il est super classe. Vous en pensez quoi, vous? La Vapid Riata. Ouais, j'aime bien moi, ce style. Moi, la Vapid aussi, j'aimerais bien l'acheter, mais je sais pas, ça me tente pas. Après, peut-être pour un délire entre potes, ouais, je voudrais bien, parce qu'elle est bien stylée. En fait, on dirait un peu un monster truck, là, le Terminator, là. Ouais. Je sais pas comment ça s'appelle. Eh ben, et pour ça me donne peut-être envie de l'acheter, je sais pas. Mais tu vois, le problème, l'inconvénient, c'est qu'il y a que deux places dans le 4x4. Tu sais, on peut pas utiliser l'arrière du véhicule. Je trouve que c'est dommage. Donc du coup, le deuxième véhicule, c'est la D-Class Yosemite. Donc du coup, au niveau des véhicules, c'est tout ce qu'il y avait à faire. Ouais. Donc là, on vient de faire le tour de tous les véhicules. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une virée avec l'insurgence d'opération mobile, tout ça. Et qu'on fasse le tour de la ville. Attends, tu me ramènes. En plus, il y a mon jetpack là. Regarde-moi, j'entends pas que c'est mon jetpack. Eh, vas-y, on fait un petit test rapide du jetpack. Attends, je vais en avoir un pour le mon jetpack. Le bien. Oh, elle est tellement classe. Elle est classe. Vas-y, je veux bien. Et c'est vrai qu'il est grand. Ouais, t'as vu comment il est classe. C'est vrai qu'il est grand quand même. Je mets le jetpack sur le truc de monsieur. Non. Red. Ah, excuse, elle me dit. C'est la police que je visais.
On peut lancer le virer là. On va vous présenter les masques et tout. Ouais. Mais attends, faudrait que je conduise un petit peu, tu vois, pour qu'on voie. Enfin, que je conduise le. Comment ça s'appelle, le jetpack, pour voir un peu ce que ça fait. C'est bon, on vient ici. Ah voilà. Vas-y, on essaye. Wow. Ça se conduit comme un hélicoptère. Le thruster. Oh. Ouais, il n'y a que des missiles. Alors le thruster, le jetpack, on peut vous l'acheter, vous n'avez pas les missiles. Et ça c'est une amélioration que The Catcher il a. Comment j'ai fait. Mais vous n'avez pas. Je l'ai acheté, je suis à pigeon. Ah ouais, ah, il est ça. Il y a guidage, je suis au guidage. Wow. Tu m'as tué. Wow, t'as vu. Et les roquettes, ils sont trop cheatés. Ah oui. Ben ça, ça s'appelle. Tu vois le. Tu vois le camion de police là, le nouveau que tu vas acheter. Eh ben je le one shot. Ouais. Avec ça. Alors vous voulez pas l'acheter parce que vous êtes en train. Attends, du coup je prends ton véhicule. Ouais. Lâche mon véhicule toi. Lâche mon véhicule. Du coup les nouvelles voitures qui sont sorties, enfin les nouvelles vêtements qui sont sortis, on va aller voir deux secondes. Ah oh, mignon. Ouais, j'ai vu. Bon, go, on va au magasin d'armes pour voir ce qu'ils ont sorti des accessoires. Ouais. Ah ok. Ok. Je vais faire plein. Je vais voir les accessoires. Enfin, les c'est à moi. En équipement ils ont un senti 12. Ah ouais, il y a une nouvelle arme, je crois. La fusil à pompe compacte. Non, ils étaient déjà. Ah. Ah ouais, il y a un nouveau revolver, je crois. Va regarder dans les petites armes. Tu vas voir. Second and First Amendment rolling. Oh, t'imagines, ils ont mis le taser. Mm. Oh, ce serait bien. Ah, c'est fou. Ouais, on pourrait troller des joueurs. Sac harné.
Ah voilà. Sa carnet Portugal. Parfait. C'est ce que je cherchais depuis un petit moment. Attends, je vais voir. NVBO2. Ok. Tiens, j'arrive.